Yo les mecs, j'espère que vous allez bien de ouf. Moi je suis de bonne humeur, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai fait ma greffe de cheveux, ça s'est super bien passé. C'est d'ailleurs pour ça que ces derniers jours sur la chaîne YouTube, pour les plus fidèles, j'ai réutilisé un petit peu des vidéos de l'actu que j'avais enregistré. Mais normalement les timings sont bons. J'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment de très bonne humeur et très satisfait un petit peu de tout ça. Il y a un vlog qui va sortir très bientôt. Alors j'avais annoncé le tirage de ce giveaway hein, pour ceux qui sont là depuis un moment. Il faut savoir que j'ai pas fait le tirage, mais promis je vais le faire. Étant donné que j'ai fait la greffe un petit peu, voilà, je vais le faire dans la journée. Et j'annonce un deuxième giveaway. Voilà, un nouveau giveaway avec des conditions un peu plus difficiles cette fois. Donc j'ai levé de la boîte bien sûr, mais c'est la Zigen Vax, donc c'est la nouvelle souris de Ziwoo, etc. et de plein de joueurs exceptionnels. Je l'ai testée, elle est folle. J'ai juste levé de la boîte pour la tester, capteur incroyable et tout. Donc pour ça, être abonné à ma chaîne YouTube, un petit commentaire, je participe, un petit like sur la vidéo tranquillement et venir follow sur Twitter. Tout simplement, voilà, c'est la nouvelle condition, c'est follow sur Twitter. J'espère que ça vous fait plaisir. Aujourd'hui, on commence cette actu incroyable, je tiens à préciser, incroyable. L'ESL Pro League, des résultats de l'ESL Pro League avec des résultats, en tout cas des Français, totalement désastreux. Vitality a été éliminé en phase de poule, donc même pas participé au playoff, c'est vous dire. Mais bon, avec toutes les news, on savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait quand même et je pense que... ça fait un bon moment, ça fait un bon moment que ça tire un peu la langue côté Vitality. Et G2 qui, bon, considère quand même qu'ils sont français, il y a toujours quand même Diaki et Amanek qui sont dedans, ont été éliminés en quart de finale, en huitième de finale, huitième ou quart de finale. Il faut savoir que l'ESL Pro League a été remporté par Heroic. Alors là, je les attendais plus Heroic, voilà, ils ont eu une grande année l'année dernière. Ils ont eu un gros coup de mou fin d'année l'année dernière et début d'année 2021. Donc je dirais quand même sur une période de 6 mois. Ça fait 6 mois qu'Heroic sont pas dans le déclin, mais voilà, étaient retournés un petit peu au niveau dans lequel ils sont de manière générale, c'est-à-dire du tiers 2. Et là, ils ont remporté l'ESL Pro League avec une finale totalement exceptionnelle contre Gambit d'ailleurs. Je pense que Gambit aurait pu l'emporter. Faut savoir que c'était une première finale majeure pour Gambit et ça s'est ressenti, ils ont un petit peu perdu pied. C'est-à-dire que ils ont perdu la première carte, ils ont gagné la deuxième carte, donc c'était un BO5. Et ensuite, la troisième carte, il y a eu un triple ou un quadruple overtime, donc en faveur d'Heroic, parce que bon, ils sont quand même plus expérimentés. L'année dernière, ils ont fait des finales de tournois majeurs assez régulièrement. Et derrière, après, ils ont perdu pied sur les autres cartes. Mais c'était exceptionnel. Franchement, il y a eu 3 à 2. C'était un BO5 de grande qualité. Et on a vu surtout des équipes dites favorites en échec. Donc, que ce soit Navi, que ce soit donc, Vitality en phase de poule, Astralis qui a perdu en demi-finale contre Furia. Et attention, ils se sont vraiment fait tartiner, je crois... genre 16-10, 16-4, un truc comme ça. Donc c'était... je pense qu'il va y avoir du changement, c'est Astralis. Je pense qu'on arrive à une fin d'ère. Et je pense que c'est dommage parce que c'est lié vraiment directement au Covid. C'est-à-dire qu'Astralis, c'est vraiment une équipe de l'ANEU. Voilà, c'est une équipe de tournoi avec de l'enjeu, avec une pression liée aux spectateurs, liée au cast, etc. C'est une autre atmosphère et c'est des gens qui sont confiants et sûrs d'eux. Là, la période online, c'est-à-dire quand même le Covid, là, ça commence à faire vraiment longtemps. On enchaîne sur la deuxième année. La période online a permis à des équipes de tout simplement faire abstraction de toute cette pression et d'avoir leur niveau de jeu sans baisse, sans coup de mou. Donc, je m'exprime. C'est pas les LAN et l'Internet, pour moi, c'est deux choses différentes dans le sens où les gens en LAN vont underperform. Voilà, ils vont sous-performer, ils ne vont pas être à leur plein potentiel parce que la pression, etc., l'enjeu va faire que tu ne vas pas faire les mêmes choix, tu vas un peu bégayer de temps en temps, tu vas hésiter, tu ne vas pas oser et donc forcément, tu ne vas pas faire ta meilleure performance. Et Astralis, ils étaient extrêmement bons pour ça. Il y a vraiment des matchs, des actions où j'ai vu Astralis, par exemple, être posé sur la carte comme ça, les mains croisées. Genre les mecs, ils attendent BP, smoke en main comme ça, et d'un coup, ils meurent smoke en main.
Et on se dit, mais putain, mais comment c'est possible? C'est parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude des LAN et des moments de pression qu'ils se disent, les mecs vont pas push aussi vite, vont pas être aussi agressifs, vont pas nous prendre l'espace aussi rapidement. Et d'un coup, bah, ils se font prendre par surprise. Et je pense que ça, c'est l'ère du online. Et ça va malheureusement, je pense, causer des changements chez Astralis. Parce que faut savoir qu'à la fin d'année 2021, il y a des fins de contrat qui arrivent pour Astralis. Et c'est vraiment très fort probable qu'on voit des changements chez Astralis. Et je pense que c'est pas forcément des changements liés à une méforme, etc. Je pense que c'est vraiment lié au Covid pour le coup. Et c'est vraiment dommage. Le MVP de ce tournoi, c'est Axil, donc le joueur de chez Gambit qui a été exceptionnel. Hein, donc même si c'est Heroic qui a remporté le SL Pro League, c'est quand même un joueur de chez Gambit qui a été sacré MVP. Et très très bon joueur, exceptionnel. Les stats un petit peu de l'ESL Pro League au niveau du viewership, donc le pic de viewers absolu, c'est plus de 400 000 viewers. Et il faut savoir que c'était Navi. La finale a fait 398 000, sachant que c'est un BO5, donc on a créé un engouement, il y a le storytelling, etc. Je perds une map, j'en gagne une, etc. Ça a permis un petit peu de gagner des viewers. Il faut savoir que moi, c'est pas une finale qui me fait rêver. Je trouve qu'on voit du CS qui est beaucoup moins émotionnel que celui d'avant. Moi, je suis un peu lassé, c'est redondant. Donc quand on voit les stats au niveau du viewership, on peut voir clairement que les plus grosses affiches, c'est parce qu'il y a Navi, c'est pour ça qu'ils font autant de viewers. Et les autres quand même en font beaucoup moins, je trouve. Voilà, je trouve. Et aussi, ça se voit sur des chaînes Twitch individuelles. Alors entre le stream anglophone, donc qui a le pic bien évidemment le plus élevé, ça, 176 000 viewers, c'est le pic de cette chaîne uniquement. Je trouve que c'est pas énorme, hein, comparé à des moments où c'était en major et tout, avec les LAN et tout, on faisait beaucoup plus de viewers. Et alors que par exemple le pic de la chaîne CSGO officielle russe et le pic portugais sont quasiment similaires à celui qui est anglophone, sachant que le stream anglophone, c'est le stream du main event, c'est la chaîne qui a le plus de followers parce qu'elle existe depuis plus longtemps. Et il faut savoir que ça englobe absolument toutes les nationalités. Hein, tous les pays nordiques, tous les pays européens, tous les pays du monde regardent le stream anglophone. Il faut savoir que la chaîne russe et la chaîne portugaise fait autant de viewers. Aujourd'hui, c'est ce que je vous explique depuis quand même pas mal de temps. Le CSGO mondial va très bien parce qu'il y a deux grosses communautés, les Portugais et les Russes. Et il y a quand même des pays où c'est dans le déclin. Des pays au pluriel, hein, dont la France. Donc à voir ce que ça donne. On va parler maintenant des Blast Showdown. Donc les Blast Showdown, je le répète, pour ceux qui manquent un petit peu de contexte, c'est la phase qualificative pour les Blast, le main event, d'accord, les finales avec le gros cash prize. Même si là, quand même, il y avait des centaines de milliers de dollars à gagner. Faut savoir que ça a été remporté par G2 et Gambit. Les deux sont allés en finale, ils ne se sont pas joués. Mais les deux places qualificatives pour le main event a été donc remportées par G2 et Gambit. Ils ont fait vraiment de très belles performances. Ce que je voulais dire surtout pour cet événement, c'est que ça a été un échec de vraiment beaucoup d'équipes. On a eu Astralis qui a fini dernier, donc ça marque un petit peu, je pense vraiment la fin de l'ère, parce que voilà, on est dans le online, ils n'aiment pas du tout ça, fin de contrat pour eux à la fin d'année, donc il va y avoir des changements je pense. Vitality également qui n'est pas passé, OG qui n'est pas passé également, on a Liquid qui n'est pas passé, MIBR qui n'est pas passé. Alors attention, hein, bien sûr que c'est la compétition, etc. Mais G2 qui était fragile, qui passe, Gambit, qui reste une équipe bien évidemment en forme avec leur momentum, etc., mais qui reste une équipe à la portée de structure et de composition ultra compétitive de la part de Liquid, de la part de Vitality, de la part de OG, qui ont des budgets vraiment beaucoup plus élevés que ceux de Gambit. C'est des adversaires à leur portée. Voilà, c'est mon petit coup de gueule sur le online. Franchement, je suis lassé un petit peu de cette période. Ça commence à me saouler. Moi, c'est le Covid là, le online, tout le temps de voir les mêmes matchs,
Les affiches ne me plaisent pas émotionnellement, je suis pas impliqué comme avant en fait. Il n'y a pas les équipes que je veux voir et tout. Et ça fait très très mal. Furia aussi qui a été éliminé. Enfin voilà, c'est vous dire. On va parler du classement HLTV. Et ça va pas bien pour nos Français. Ça va vraiment pas bien pour nos Français. On dégringole à la 8ème place. Et je pense qu'on va encore descendre pour quitter un peu le top 10. C'est triste, c'est triste. Mais surtout un nouveau numéro 1 mondial, Gambit, largement mérité. C'est l'équipe en forme, c'est l'équipe qui performe également, et un storytelling énorme quoi, des jeunes comme ça qui explosent et tout. Mais je répète, encore une fois, je ne suis pas attaché émotionnellement à ces mecs-là, et je pense que très peu d'entre nous le sont. C'est-à-dire que oui, ils sont numéro 1 mondiaux, ils sont exceptionnels individuellement et collectivement, ils arrivent à démonter vraiment des grandes équipes qui, eux, ont leur coup de mou. Mais c'est dans l'ère du online, donc on manque d'image, on manque de communication. Les storytelling, les histoires se créent avec des exploits, plein de choses comme ça. Et ça se passe en LAN, ça se passe en tournoi, quand on a du visuel, quand on a la caméra sur les joueurs, les réactions, des petits reportages sur eux qui sont mis en place pendant les majors, etc. Aujourd'hui, on n'a pas ça avec le online et on est vite détaché de ces gens-là. Donc... je sais pas si vous avez ce ressenti, j'attends vos réponses là pour le coup, je sais pas si vous avez ce ressenti, mais moi je suis pas impliqué émotionnellement par ces équipes comme ça, depuis cette période Covid avec le manque de LAN, le manque d'action un petit peu spectaculaire. Quand je dis spectaculaire, ils font du spectacle, mais je veux du spectacle avec de la réaction, je veux voir le visage des gens, je veux voir comment ils réagissent, comment ils vont se comporter face à un exploit positif ou négatif, hein, des gros fails ou ce genre de choses, et qui peuvent créer un petit peu un vrai engouement autour de ces personnes-là, parce qu'on va avoir dans nos têtes la réaction, etc. Aujourd'hui, tout le monde est capable de dire « je me rappelle de telle action à tel tournoi en finale de Major ou quoi que ce soit, avec la réaction de Simple, Get Right qui se tenait la tête, qui pleurait, Shox qui faisait ci, Kenyes qui a fait ça ». On peut se rappeler de ces images. Aujourd'hui, les images, c'est... Alors, on a un peu d'image, mais les mecs sont dans leur chambre et tout. On sent qu'il y a beaucoup moins d'émotions qui sont un petit peu dans le tas. Et c'est ce qui prouve que le online, c'est beaucoup plus détente parce qu'il n'y a pas de surréaction, etc. Il n'y a pas cette pression un petit peu du public. Je m'égare bien évidemment, mais c'était juste pour montrer un petit peu que voilà, Gambit sont les numéro 1 mondiaux et j'ai du mal comme ça à les adorer, vous voyez ce que je veux dire. On a Navi également qui commence un petit peu à descendre avec les changements, etc. Flammy qui a été kick, donc à voir ce que ça va donner. Et j'ai deux qui sont 13e mais qui vont remonter, je le pense. Petit dossier sympa sur les maps les plus jouées de CSGO. Bon, sans conteste, la map la plus jouée, c'est Mirage. La map la moins jouée, même si c'est Tuscan et Season sont dans les graphiques, moi je les compte pas, c'est Vertigo. Je pense que c'est normal, hein, parce que c'est la plus récente, bien évidemment. Même si je pense qu'elle est de plus en plus jouée, il faut savoir que donc, après celle-là, c'est Cobblestone. Elle est plus là depuis des années, elle me manque cette carte. Franchement, c'était une map qui était très jolie à regarder. Mécaniquement, c'était une map qui laissait des possibilités côté terreau, côté CT. Et elle me manque cruellement. Je sais pas si vous, elle vous manque, etc. Peut-être que c'est de la nostalgie. Les nouveaux qui n'ont même pas connu cette carte, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez vu des matchs, des replays d'avant ou quoi que ce soit, ou vous la connaissez absolument pas et entre guillemets, elle ne vous intéresse pas? On a Nuke après. Donc ouais, ça m'étonne pas non plus. D2, je l'attendais peut-être un peu plus haut. Je pensais que D2 allait être devant train. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que D2 a été retiré du Mapool pendant un bon moment. Quand elle a été rework, etc. Donc c'est très certainement pour cette raison. Et c'est pas une map qui est extrêmement jouée D2, parce que c'est une map très équilibrée où tout peut se passer aussi côté terreau, côté CT. Et les équipes, une fois qu'elles sont fortes un petit peu dans des compartiments de jeu, elles vont préférer choisir des cartes qui sont très déséquilibrées justement pour avoir un avantage. Donc voilà, vous avez ce graphique. Mirage est la map incontestée. Incontestablement la plus jouée. Donc à voir.
On va parler désormais des chaînes les plus regardées en mars. Donc les chaînes de studio, entre guillemets les streams officiels. Ça englobe vraiment toutes les chaînes e-sport. Et il faut savoir que CSGO est entre guillemets le jeu le plus suivi. Donc je pense que c'est normal étant donné qu'il y a eu le SL Pro League, etc. CSGO est un jeu, j'ai envie de dire, où il y a un renouvellement constant de compétition. Et je pense même que c'est ce qui lui fait défaut. C'est-à-dire que ça crée une lassitude carrément pour certains. Mais en fait, c'est un cycle. Ça veut dire qu'on va suivre un tournoi pendant peut-être 2 semaines. Après, on ne va plus suivre de CSGO. Et puis, 2-3 semaines, on revient et on a droit encore à de la compétition. Et c'est un cycle comme ça qui tourne en boucle. Et donc, tout le monde vient prendre quand il a envie un petit peu de consommer du CSGO. Il vient, il consomme un peu de CSGO. Donc j'ai l'impression que CSGO est un jeu qui tourne H24. BFM TV là, tu vois, t'allumes BFM TV, ça tourne H24 et t'as ton information. CSGO, j'ai un peu cette impression là. Je pense pas que ce soit pareil sur du League of Legends, du Rocket League, sur du Rainbow Six, sur d'autres jeux, etc. Je pense que vraiment, il y a vraiment des périodes de mou, entre guillemets, où il n'y a pas de compétition de ouf et tout. C'est un match par semaine, par-ci par-là, 2 matchs par semaine, par-ci par-là. Alors que CSGO, tous les jours, il y a de la compétition. Tous les jours. Mais c'est aussi ce qui lui fait défaut, hein, parce que c'est très très difficile, je pense, moi qui suis passionné de fou, qui suis ça, etc., avec l'actu, machin et tout, je pense que même pour moi, ça me rend dingue, alors que je pense que pour vous, ça vous détache encore plus, quoi. Il y a vraiment des cycles, je pense, où vous devez totalement déconnecter CS, quoi. C'est bon, de toute façon, je reviens dans 2 semaines, Vitality Astralis, je le regarderai, tu vois. C'est des confrontations qu'on a tellement régulièrement que ça en devient lassant. Mais CSGO est le jeu le plus, enfin c'est la chaîne, le studio le plus regardé, donc ça fait plaisir pour CS, surtout que là il y a Covid, etc., donc la consommation d'internet, la consommation de stream, etc., a explosé, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, j'attends un petit peu vos réactions sur le fait que c'est lassant, c'est redondant et que vous avez, vous consommez du CSGO par cycle, même en jouant peut-être, hein, même en jouant. Petite news qui fait plaisir ou pas, mais en tout cas qui me rassure. Hellraiser qui split totalement, voilà. Équipe FPL, encore une fois, qui selon moi n'a absolument pas d'avenir. C'est du recrutement, entre guillemets, de main-d'œuvre pas cher. Hein, voilà, t'achètes des joueurs, enfin t'achètes, ils achètent pas, ils prennent des joueurs free agents et ils les payent vraiment très, très, très peu en termes de salaire. Et donc, c'est une équipe qui coûte pas grand chose et on espère en tout cas qu'il va performer, mentalité FPL, des grosses individualités, en tout cas profil pépite, et on espère qu'ils vont casser la bouche à des gens pour derrière les revendre à des plus grosses structures et faire un gros billet derrière. C'est le modèle économique qu'a choisi de faire Hellraiser, alors qu'à la base quand même Hellraiser c'est une structure, j'ai envie de dire mythique de CSGO, qui a participé au premier Major, qui a fabriqué des joueurs quand même exceptionnels, hein. Les Dozia, les Angel, les Simple, ils viennent de là à la base. Et donc je pense que c'est vraiment la fin aussi d'un cycle. Et moi je n'aime pas, moi je n'aime pas, donc moi je suis pas surpris, je suis même très content qu'une équipe comme ça disbande. Peut-être que ça va donner un coup derrière la tête à tout le staff qui gère un petit peu Hellraiser et de faire une vraie équipe compétitive. Ou alors je préfère au moins le modèle économique de Gambit, de Virtus Pro, prendre une équipe de 5 très solide, de jeunes pépites russes et qu'on va former, parce que voilà, Hellraiser sont là depuis des années et ils ont un savoir-faire, ils savent former les gens, ils savent les professionnaliser, donc pourquoi ne pas faire confiance à des jeunes, surtout qu'en Russie c'est en pleine explosion CSGO, donc pour le coup je préférerais voir ça personnellement, que ces équipes FPL où t'essayes de revendre un mec 20, 30, 40 000, je pense même pas qu'ils les vendent plus cher que ça. Voilà, côté Navi, donc on a Beat qui était leur 6e joueur à la base qui remplace Flammy. Donc Flammy, ça fait quand même très longtemps que je le trouve irrégulier. Pas nul, mais irrégulier. C'est-à-dire que moi, ce joueur, j'ai l'image de ce joueur, je sais pas pour vous, encore une fois, j'attends vraiment vos réactions. Pour échanger, d'avoir des points de vue différents, parce que je suis passionné par CSGO et peut-être que des fois je suis un peu trop dans ma bulle et j'ai un peu trop la tête dans le guidon et j'arrive pas à voir un petit peu de manière plus large. Donc j'attends vraiment vos réactions là-dessus. Flammy pour moi c'est un joueur à la base, hein, qui est quand même fixe BP et qui est dans le trio d'attaque, qui est une machine à headshot. Donc si je devais le comparer à des joueurs, ce serait
Des joueurs comme Rops, des joueurs comme Blamef, des joueurs comme Twist, comme Rain, comme Crims, tu vois, des belles machines qui mettent des headshots, quoi. Et ce joueur-là est devenu de plus en plus complet et est devenu de plus en plus électron libre et généraliste. C'est-à-dire que je trouve qu'il s'est perdu, justement. Au lieu de rester dans un compartiment de jeu où il était un spécialiste, il est devenu un généraliste. Il a voulu pivoter. Il a voulu prendre le sniper. Donc à un moment, il était second sniper côté CT. Il le prenait pas en terreau, mais il le prenait côté CT. Il y a un moment, je crois aussi, où il avait Khalid. Il a changé un peu des rôles, etc. comme ça. Et je trouve que il s'est un peu perdu là-dessus. Et sa spécialité, bah, en fait, il a perdu du tranchant là-dedans. Donc je sais pas vous, quel est votre ressenti là-dessus. Mais voilà, Flamy, pour moi, il est irrégulier désormais parce qu'il n'a plus la capacité d'être extrêmement décisif dans le rôle qu'on lui demande. FXBP, etc. Parce qu'aujourd'hui, il a des excellents pivots. Enfin, Simple est meilleur pivot que lui, par exemple. Et le lead de comment dire. Et les leads, en général, sont des pivots. Et donc, lui non plus est remplacé par Beat. Et lui non plus, comme Astralis, n'est pas inscrit sur la liste du Major. Donc très certainement que bon, ils avaient fait un communiqué officiel comme quoi il passait sur le bench, genre vite fait, c'était lui le sixième joueur, etc. pour former entre guillemets Beat, mais ça s'apparente à une situation plutôt définitive sur le fait que Flamy va dégager et kicker. Voilà, il est kické de chez Navi, il ne participera pas au Major. Donc c'est une ère aussi qui s'éteint pour Navi dans le sens où il n'y a plus d'anciens. Il y a plus d'anciens. Zeus, Edward, Flamy, etc. Flamy, historiquement, c'est quand même le joueur le plus ancien de Navi. Et donc, on perd quand même un mythe. On perd une légende quand même de CSGO. Même si, bon, il a tout fait, il nous a fait rêver quand même. Flamy, c'est un joueur exceptionnel. Donc, on lui souhaite bien évidemment que du bonheur. RPK est kické de chez Vitality. C'est une triste nouvelle. Voilà, il sera remplacé par Kyojin. Allez voir ma vidéo sur Kyojin, les amis. Ah, il y a du très très lourd parce que là, moi aussi, ça commence à me saouler. Je vais être énervé. Mais là, restons sur RPK, le tank, Cédric, la machine. Alors, il faut savoir que c'est un joueur qui, je trouve, avait des lacunes. Avait des lacunes, mais a un potentiel, je pense, exceptionnel. C'est-à-dire que, imaginez qu'avec le fait qu'il ne soit pas complet, hein, il a quand même des problèmes en clutch, il a des problèmes d'autonomie, il a des problèmes de gestion de stuff, il a des problèmes peut-être de communication, d'initiative, de prendre des décisions, de diriger son BP ou sa zone en terreau. Hein, c'est ce que j'identifie comme problème chez RPK. Faut travailler. Il faut un coach personnel et il faut travailler. C'est-à-dire que imaginez qu'avec toutes ces lacunes, le mec arrive à performer dans le tiers 1 mondial pendant aussi longtemps. C'est un joueur emblématique. Il a dominé sur Counter-Strike Source. Il a dominé au début de CSGO. Ça payait pas assez. Il s'est barré. Je vous rappelle un petit peu de son histoire. Ça a pas payé de ouf quand il était chez Very Games, etc. C'était des salaires à 600 ou 700 euros par mois. Donc il est parti vivre de sa passion, donc son garage, etc. Il était mécanicien automobile, pour ceux qui ne le savent pas. Donc il est passionné de voitures et tout. Et 2 ans ou 3 ans après d'inactivité, il est récupéré par Niak, le manager de chez Titan à l'époque. Quand Kali se fait bannir pour cheat, Niak va récupérer RPK. Parce que c'est un mec, humainement, ils sont amis, ils savent, lui, Existence, Smith, etc. Ils savent que ce mec-là est une crème, que c'est quelqu'un qui pose absolument aucun problème, et qu'il a un skill hors norme. On sait le potentiel de ce mec. Tu vois, c'est Sangohan. Tu vois, c'est Sangohan, en fait. Et moi, je suis attristé de voir la gestion qui lui a été réservée. Alors oui, je me rappelle, au début de Vitality, il était en binôme avec Alex et il était dirigé par Alex, etc. Après, Alex se barre, c'est Apex qui va en binôme avec lui. Et on le traite un petit peu comme un fardeau. Pour moi, ce mec-là, il aurait dû avoir un coach personnel, c'est-à-dire que Xtaz, pour moi, aurait dû assigner un mec comme moi, tu vois, pour gérer RPK et pour lui faire prendre conscience qu'il a un potentiel énorme. Il a une capacité à gagner ses duels que très peu de joueurs ont. Il y a vraiment qu'une poignée de joueurs qui peuvent gagner autant de duels qu'RPK. Il est dans des situations extrêmement difficiles. Et voilà. Par contre, il y a des situations où il est complètement perdu. Il est complètement perché. Il se cogne sur la map. Il a des mouvements de bot. Parce que bah, le mec fait pas de KZ. Le mec fait pas de surf. Le mec fait pas de,
de bunny hop et tout. Donc on voit qu'il a des difficultés au niveau de ses déplacements. On voit qu'il a des difficultés aussi sur sa gestion de stuff, dans les milieux de round, dans les fins de round, etc. On le voit qu'il a des lacunes. Aujourd'hui, on est capable de prendre des Mizuta, des Nivera, des Kyojin, là en l'occurrence, pour les former, mais on n'est pas capable de faire avec RPK. Alors attention, je pense qu'ils ont essayé. Peut-être que ça rentre dans une oreille et que ça ressort par une autre, et que c'est le teubé de l'année, en fait. Et donc, dans ce cas-là, je retire tout ce que j'ai dit. En fait, RPK est un gros con. Mais moi, j'ai des doutes, en fait. J'ai des doutes. Je pense qu'on peut développer ce joueur de manière exceptionnelle pour en faire de lui une énorme machine. Et ça m'attriste, voilà. Ça m'attriste parce qu'en fait, il a eu des rôles toujours très difficiles chez Vitality. Hein, voilà, il est fixe DP dans sa zone tout seul. En terreau, il est sur son extrémité, il prend ses zones et puis c'est tout. Quand il est sur son extrémité, que ça redirige sur lui. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Sur Inferno, en terreau, il contrôle la banane. Donc on prend le middle, on travaille les apparts, etc. Puis d'un coup il y a un call. Ouais les gars, venons finir en B. Bah vu que c'était lui qui contrôle le B, au final il se retrouve premier à rusher. Et il n'a pas des stats exceptionnelles, il est très irrégulier, très inconstant, etc. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, avec des meilleurs rôles, avec une gestion individuelle, parce que lui je pense qu'il a vraiment besoin de gestion individuelle, parce que clairement il a des lacunes, ça c'est une évidence. Mais imaginez le potentiel de ce mec-là. Aujourd'hui, pour moi, Mizuta n'a absolument pas le skill individuel d'un RPK. Pour moi, Kyojin n'a pas le skill individuel d'un RPK. Alors pourquoi développer des mecs et pas forcément lui et mettre des rôles plus difficiles à d'autres que lui? Il faut en faire pas un star player, mais un second couteau, quoi, ton capot. Après, peut-être que aussi il était fatigué, il commence à vieillir, peut-être que ça le saoule, etc. C'est pas un mec qui travaille énormément non plus, il me semble. Mais je suis attristé, voilà, je suis attristé de tout ça parce que pour moi il y avait du très très lourd à faire avec ce mec là et je suis un peu saoulé, peut-être nostalgique aussi. C'est quelqu'un qui est là depuis des années, qui a traversé toutes les époques de CS, qui a fait rêver des gens parce que en termes de spectacle il nous en a donné, quoi. Il nous en a donné en rifle. C'est très très dur d'être spectaculaire comme ça et de donner beaucoup d'émotions aux gens. À la WAP c'est très facile. Tu prends le plus gros noob de la Terre, et à la WAP, c'est facile. Tu en as une balle, tu peux faire des flics un peu incroyables et tout, et c'est facile de donner de l'émotion au sniper. Au rifle, une capacité à un sang-froid comme il a, gagner des duels aussi difficiles comme il le fait, ça a l'air tellement facile quand il le fait. Toi, tu te retrouves dans ces situations-là, tu te fais éclater le cul, t'as pas le temps de réagir, il a un temps de réaction incroyable. Enfin... Je suis saoulé, j'en veux pas à Vitality personnellement ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y aurait des choses qui auraient dû être faites, etc. Je suis pas dans le staff, voilà, on m'a jamais consulté, on s'en fiche. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc au revoir monsieur RPK, tu m'as fait rêver. Franchement t'es un des rares qui m'a fait rêver, surtout en tant que rifle, etc. individuellement et tout, toujours très impressionné. Mais tu m'as fait vomir aussi, hein, je tiens à le dire. Tu m'as fait dégueuler partout, hein, quand j'ai vu des dingueries où tu te cognais contre tous les murs, espèce de bâtard. Tu nous as fait bien vomir aussi. Mais il nous a fait rêver, donc beaucoup d'amour. Je te dis un au revoir qui me touche profondément. J'espère que tu pourras peut-être continuer à vivre sur CS, etc. Même si je pense que voilà, aller dans des équipes en dessous comme Double Poney ou des Inter, faut oublier, il parlera pas anglais. Mais voilà, une autre équipe française qui pourrait se créer, etc. Où tu performeras plus à un gros niveau, etc. On va, je sais pas, ça ternirait un petit peu ton truc. Mais bon, prendre un petit billet et continuer aussi à jouer comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Donc monsieur RPK, je te dis au revoir. J'espère te dire au revoir en te revoyant très bientôt. Et c'était mon avis sur toi, et gros bisous à toi, et à ta femme aussi que je connais, donc je vous souhaite beaucoup d'amour à tous les deux, et voilà. Et c'est la foire les amis, c'est la foire, voilà, donc on a Cloud9 qu'on a annoncé il y a très longtemps, parce qu'un split total, c'était un fiasco, des millions de dollars jetés à tire-larigot par toutes les fenêtres et possibles et imaginables. Et aujourd'hui, on a Monsieur Alex, notre compatriote franco-anglais, qui... fait un tweet se rendant disponible, hein, il se rend disponible sur CSGO et sur Valorant. Donc peut-être qu'Alex va nous quitter pour Valorant, encore une fois, ce qui est normal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que CSGO, pour moi, il a largement des possibilités pour rester dans le tiers 1. C'est un leader in-game, il a des rôles très difficiles, il est très très bon, très complet, c'est un gros bosseur. Franchement, il a que des qualités. Ouais, il a des gros défauts, mais c'est son caractère. Mais on t'aime, Alex, mon frérot Mr. Pudding.
Donc, il se rend disponible désormais pour jouer également sur Valorant, ce qui est normal. C'est-à-dire que, franchement, il a réussi un peu à escroquer Cloud9 et à prendre 30 000 dollars par mois. Donc, magnifique exploit de ta part, mon frérot. J'espère que tu as mis beaucoup d'argent de côté. Et désormais, qui va proposer un salaire aussi important à Alex? Donc, certainement personne. Même s'il arrive à décrocher 10K, hein, 10-15K, il les décrochera, je pense. Peut-être un peu moins, voilà, s'il commence à baisser son salaire. Mais bon, je le vois pas en dessous de 8. Ça, c'est du sûr. Eh ben, 8000 ou 10 par rapport à aller sur Valorant et aller directement dans des organisations absolument monstrueuses, sachant qu'il est franco-anglais, donc il parle à la perfection l'anglais. Il peut aller rejoindre des structures américaines, aller vivre carrément aux États-Unis pour aller... Et je peux vous garantir que là, on parle de 30, 40, 50K par mois. Potentiellement être un des meilleurs leaders in-game du circuit aussi sur Valorant. Donc être une tête d'affiche, première ligne, superstar d'un jeu, ou être dans le tiers 1, mais dans la masse du tiers 1, à 10K par mois... Et avoir un milieu ultra concurrentiel, alors que sur l'autre, il va, je pense, balayer absolument tout le monde. Parce qu'il aime bien Valorant. Il y joue quand même depuis la bêta. Il a participé à des compétitions. Il a fait des tournois également sur Valorant. Donc peut-être qu'on va perdre notre ami Alex pour Valorant. Là, je pense que ça va vraiment dépendre des offres sur la table. Donc lui, je pense que sa priorité, ce serait quand même de rester sur CSGO. Il a peut-être un sentiment d'inachevé. Il a fait un major et tout quand même. C'est pas rien. Mais il en a encore, il peut faire encore un major, il peut encore se la donner. Et c'est triste, voilà, c'est triste peut-être de perdre encore une fois, lié à l'argent. De perdre un joueur comme ça, lié, je pense, purement qu'à l'argent. Petite news sympathique qui va nous faire plaisir ou pas, je sais pas. Tariq, avec Evil Geniuses, qui vient de se faire kicker pour Michou, le joueur polonais. Alors, moi, Tariq, c'est un joueur que je trouve... surcoté de ouf depuis très longtemps. Donc ce kick là, je l'ai vu arriver il y a longtemps. C'est que je le voulais en fait qu'il soit kick. C'est-à-dire que ce mec là est bon, il est régulier, il est constant. Mais je trouve que chez EG, voilà, c'était vraiment le joueur un petit peu en dessous. Alors oui, il a fait des grandes actions, il a sauvé quand même des situations, etc. C'est normal quand même, il est champion de major, c'est un joueur du tiers 1, il est quand même bon. Mais je trouve qu'il y a mieux que lui. Alors Michou, je suis pas convaincu du recrutement non plus. Parce que... bon, Michou est un gros riff, par contre, en termes de skill individuel, je peux vous garantir qu'il est vraiment un petit cap au-dessus. Mais je suis pas, je suis pas transcendé, moi, par la nouvelle, quoi. Je suis vraiment pas transcendé par la nouvelle. Et je pense qu'il y avait mieux à faire en termes de recrutement. Mais voilà, c'était une petite annonce de EG qui allait quand même très mal. Ça fait 8-9 mois que depuis l'année 2020, leur année Covid, moi j'ai mis ça sur le dos du Covid, etc. Mais voilà, il y avait quelque chose qui se tramait de toute façon là-dedans. Et clairement, voilà, on a Michou qui vient remplacer Tariq. C'est une grosse perte marketing. Et pour prendre un petit joueur derrière, je sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire en termes de recrutement. Et surtout que j'ai des moyens absolument énormes. Donc à voir ce que ça donne. Tout ce que je vais dire là est vrai. Et je vais devenir fou en fait. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur les points à améliorer sur CSGO et on disait faut améliorer l'anti-cheat. Qu'est-ce que Valve nous fait? C'est sûr, il regarde mes vidéos. La tête de ma mère que Gaben, il est abonné à ma chaîne YouTube. Et il regarde les vidéos et il dit à chaque fois que Malek a fait un truc, je vais le niquer. C'est sûr à 100%. Il regarde les vidéos, venons, on améliore l'anti-cheat. Il a dû regarder les commentaires en plus. Julien, Mamadou, Youssef, Mohamed, Kevin. Ouais, Malek, t'as raison, faut améliorer l'anti-cheat. Tenez, je vous baisse tous vos darons. Il a fait quoi? Il a débanni les cheaters. Alors il y en a qui ont pris ça comme un statement officiel, hein, comme quoi Kyojin ne cheatait pas. Ça, allez regarder ma vidéo sur Kyojin, on s'occupera de lui aussi juste après. Avec beaucoup plus d'énervement là pour le coup. Donc là désormais Valve a établi un nouveau règlement qui est une bonne chose, qui est une bonne chose. Attention, on va dédramatiser un petit peu maintenant, on va redescendre sur terre et arrêter un peu l'humour. Parce qu'il n'y avait aucun règlement, aucune charte officielle, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, aucune règle, il n'y avait rien d'écrit noir sur blanc, on ne savait pas quoi, machin et tout. Là au moins maintenant c'est réglé. Ça veut dire que toutes les personnes qui cheatent aujourd'hui seront bannies du circuit pendant 5 ans. Voilà, donc toutes les personnes qui ont été bannies pour triche il y a 5 ans peuvent venir là sur CSGO et jouer les majors, etc. 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 Faut savoir que sur ESL... ESEA, Faceit, DreamHack, etc.
qui sont les entités les plus importantes sur CSGO et qui sont des organisateurs de tournois et de ligues les plus importantes de l'écosystème CS, eux, leur règlement, c'est 2 ans. Si tu cheats, tu es débanné au bout de 2 ans. Et au bout de 2 ans, tu peux reparticiper à ces trucs-là. 2 ans, je trouve que c'est très court. 5 ans, je trouve que c'est bien. Dans le sens où, si tu fais ça à 14, 15, 16 ans, bah, t'es à l'école, t'es chez tes parents, t'as encore ton avenir, tu vois. T'arrives dans les 17, 18, 19, 20 ans et tu peux quand même construire une carrière e-sport, entre guillemets, si t'es vraiment passionné par CS. Donc, je trouve que c'est correct. Et ceux qui le font à 20 ans, 21 ans et plus, leur carrière, elle est finie, quoi. Genre, t'as 22 ans, tu peux pas rester chez tes parents pendant 5 ans à rien foutre, tu seras obligé d'aller travailler. Et après, à 26, 27 ans, quand t'auras un peu des responsabilités, te dire, ouais, vas-y, je claque tout pour venir sur CS. Voilà, donc moi, cette période de 5 ans, je valide. Aujourd'hui, elle est écrite noir sur blanc. Donc en fait, c'est une bonne chose. Je pense que ça va dissuader pas mal de gens, ou pas du tout. Parce que le but, en fait, c'est de ne pas se faire prendre. Voilà, donc, parce que ce sera sur les circuits RMR, c'est les circuits majeurs. Si t'es banni sur une autre plateforme, il y a moyen que... Si t'es vague ban, c'est CSGO. Mais si t'es banni sur Faceit, il y a moyen que tu peux participer au bout de 2 ans au major quand même. Donc je sais pas là ce que vous en pensez de cette nouvelle, mais bon, au final je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'enfin ils ont communiqué. C'est pas un communiqué pour Kyojin ou pour d'autres mecs, hein. Là dites-vous, Kali il peut revenir, SF il peut revenir, Emilio, enfin tous les gens là, tous les mecs qui ont triché, qu'on connaît depuis des années, etc., ils peuvent revenir là maintenant, ils sont frais de frais. Donc voilà, c'était ma petite vidéo humour dramatique. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, parce qu'avant il n'y avait pas de règlement établi, donc c'est une bonne chose parce qu'il y a le règlement établi, la sanction je la trouve correcte, ce qui me dérange, en vrai de vrai, ce qui me dérange c'est le match fixing. Il faut savoir que Valve donc, a dit, si vous cheatez, si vous trichez, vous êtes banni 5 ans, si vous êtes ban pour match fixing, que vous truquez des matchs, c'est banni à vie. Donc dans l'esprit de Valve, c'est beaucoup plus grave de faire du match fixing, de truquer des matchs, que de tricher en compétition. Je trouve que c'est un truc genre immoral, tu sais, tu voles l'argent des gens et tout, donc il y a moyen que ce soit plus grave dans leur esprit. Pour moi, c'est un peu même tarif, donc je sais pas, j'ai pas forcément un avis positif là-dessus. Moi, j'aurais mis le même ban, donc je comprends pas. Pour moi, il n'y a pas un truc qui est moins ou plus grave qu'un autre. Les deux sont anti-e-sport, c'est pas fair-play, c'est pas beau, je sais pas. Enfin, pour moi, tout est ultra négatif, donc j'aurais sanctionné vraiment les deux, ou alors j'aurais établi également un règlement sur le match-fixing. Même si là, bah, le match-fixing, c'est ban à vie et puis c'est tout. Dites-moi vous, en vrai de vrai, ce que vous en pensez. Je suis pas, je suis friand un petit peu de vos avis. Je pense qu'il y a des gens qui vont être très tranchés en mode non, on les banne à vie, c'est fils de pute et puis c'est tout. Ou alors d'autres gens peut-être qui vont dire non mais c'est bien et tout, 5 ans comme tu l'as dit. Quand t'es jeune au moins t'es pardonné, et quand t'es à 20 ans, tu vois, ta carrière elle est vraiment finie, quoi. Parce que 5 ans, attendre 5 ans à pas gagner d'argent, ça va être compliqué. Enfin après c'est 5 ans que du major, hein. Parce qu'en vrai de vrai, sur les autres plateformes, c'est ça qui est très grave. Si t'es banni de SEA, tu peux participer sur Faceit. Si t'es banni sur Faceit, tu peux participer sur SEA. Enfin, c'est en mode, tout est vraiment indépendant avec des règlements. Donc il y a moyen que tu triches un peu sur une plateforme, pas sur une autre, pour pas te fermer, pour essayer de percer. Enfin, c'est très 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 complexe comme sujet. Moi, franchement, j'aurais ban 5, 7 ans même. 7 ans, comme ça t'éradiques tout le monde, ça dissuade un maximum de monde et que ça prenne en charge toutes les plateformes. Moi, j'aurais peut-être mis un truc comme ça, je trouve que c'est plus... juste, parce que là, tout le monde a son règlement indépendant, et au final, tu peux vraiment un peu jongler sur les trucs, c'est pas fun. Sujet dramatique, donc je vous laisse regarder cette petite vidéo, et après je vous récupère. Comme vous pouvez le voir, ou peut-être que vous ne comprenez pas là les frérots, parce que même moi j'ai du mal à comprendre, j'ai dû faire un petit peu des recherches derrière, etc. Il y a une faille de sécurité sur le moteur de jeu source, donc c'est même pas lié qu'à CSGO, hein. C'est des dizaines de jeux vidéo qui sont entre guillemets créés avec ce moteur. Et il faut savoir qu'en fait, ne serait-ce qu'en vous ajoutant en ami, ben on peut avoir accès à votre PC et ce genre de choses. Alors qu'est-ce que, vous allez me dire, ouais mais ok, mais comment c'est possible, etc. Enfin, quels sont les effets?
Quels sont les effets? Eh bien, figurez-vous que, en fait, ne serait-ce que accepter des gens en ami sur Steam et derrière vous faites scam 3-4 jours après, vous n'avez pas forcément compris, c'est certainement que la personne vous a viré le Steam Guard, etc., qu'elle a envoyé des skins. Ou alors, elle peut décider de cheater et de vous faire ban pour cheat derrière. Bon, en général, je pense que ce serait surtout lié au scamming. Il faut savoir que ça, cette faille existe depuis des années. Elle n'est pas rendue publique, etc. Mais là, bon, c'est sur Reddit, etc. J'en parle parce que c'est pour vous mettre en garde. N'acceptez pas de demande d'amis. Voilà, c'est absolument pas corrigé. C'est connu de Valve depuis des années, mais rien n'a été fait. Donc, il faut savoir que c'est extrêmement dangereux, que des gens peuvent avoir accès à votre PC. Bon, les gens qui font ça, je pense que c'est pour avoir vos skins, hein. C'est pas forcément pour avoir des données personnelles et pour vous causer beaucoup plus de mal que ça. Mais on sait que la valeur des skins aujourd'hui est très élevée. Les skins coûtent très cher, elles ont une valeur marchande vraiment très stable. Et donc, faites très attention, n'acceptez même pas forcément des demandes d'amis, de gens, tu sais pas et tout, et il va te proposer peut-être des échanges et tout. Tu dis non, 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 toi tu le laisses en ami. Ou tu sais, c'est des mecs qui vont te dire est-ce que tu veux game et tout. Ils vont travailler sur du long terme. Donc faites très attention à ça. C'est très dangereux. Voilà, c'est très dangereux et je suis totalement attristé, dévasté d'apprendre ça. C'est-à-dire que même moi qui joue à CSGO depuis sa sortie officielle, donc en 2012, je n'étais même pas au courant de cette faille de sécurité, je viens de l'apprendre et on nous apprend qu'elle est là depuis des années et qu'aucune mise à jour, correction n'a été faite. Ça, ça a été dévoilé, enfin le post sur Reddit qui a explosé, qui a mis ça au grand jour pour que j'en parle, ça date du 10 avril les gars, du 10 avril. Là moi au moment où j'enregistre la vidéo, on est le 19 avril, donc déjà en 9 jours, Valve n'a toujours même pas corrigé ce truc-là. Donc imaginez que ce soit quand même très risqué, très très risqué. Donc faites très attention, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on va parler de Kyojin qui a été recruté par Vitality. D'ailleurs, je comprends pas forcément ce choix-là. Il y a des gens qui me disent pourquoi ils ont pas pris Nivera, etc. Là-dessus, c'est parce que c'est une question de rôle. Même si je pense que Nivera aurait pu vraiment être maintenu dans le 5 officiel. Il faut savoir que Nivera est sniper, double sniper, et donc il pivote. Et Antero, il est dans le trio d'attaque. Kyojin, c'est un profil fixe BP, gros rifle, un petit peu comme RPK, quoi. Il remplace un petit peu vraiment les rôles d'RPK. Et donc, gros rifle, efficace, gros skill individuel. Donc, c'est vraiment deux rôles totalement, deux comportements, deux caractères totalement différents. Si ils avaient la possibilité de garder Nivera, il aurait fallu que Apex ou Shox changent de rôle et prennent les rôles de RPK. Et pour le coup, ça aurait pu être un petit peu compliqué. Donc ce choix-là, je vous l'explique par ces choses-là. Maintenant, on va parler du dossier Kyojin avec une petite dizaine de comptes bannis pour cheat, etc. Avec son ancien pseudo, Nausea. Il faut savoir que son papa a fait un dossier pour expliquer que ce n'est pas Kyojin qui cheat, mais c'est son petit frère. Il faut savoir que son papa a fait un dossier en expliquant que lui, il cheat, que son frère cheat, donc l'oncle de Kyojin, que les deux frères de Kyojin cheat, mais que Kyojin ne cheat pas. Donc vous allez vous faire votre opinion. Bien évidemment, bah là, avec cette annonce, etc., officiellement, il y a eu beaucoup de détracteurs qui m'ont envoyé justement des screens, etc., pour prouver un petit peu que c'est lui. Il faut savoir que Nausea, il y a une chaîne YouTube qui est la sienne, etc., où on voit que le gameplay date un peu, mais c'est un petit peu le gameplay qu'a Kyojin. Après, bon, c'est pas une preuve pour le coup, mais surtout, on m'a donné, donc je vous montre un petit peu là, des recherches d'équipe au nom de Nausea, avec comme prénom et nom de famille Jason Nguyen, qui correspond au nom de Kyojin, alors que son petit frère s'appelle Melvin. Pourquoi faire une recherche d'équipe avec un pseudo et en se faisant passer pour son grand frère? Et ça à deux reprises, donc vous les avez sur sickteam.com. C'est un site, je crois, pour faire des recherches d'équipe ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr de l'efficacité du site, mais c'est pour vous montrer qu'on peut trouver très facilement ces choses-là sur Internet. Elles m'ont été envoyées. Et donc à deux reprises, le garçon a créé des équipes dessus en disant qu'il recherchait un joueur ou alors que lui était à la recherche d'équipe en donnant son nombre d'heures de jeu, en donnant un petit peu son potentiel, etc., son rank, etc. Et il faut savoir qu'à chaque fois, il a mis Jason. Également, quand on regarde là-dessus, pourquoi son petit frère,
irait créer une équipe, entre guillemets, ou créer un profil en s'appelant Jason. Si c'est Nausia, c'est Nausia. Il a qu'à mettre son nom et son prénom. C'est pareil sur d'autres sites internet où il a créé ça. On a également un screen de son profil Discord où il lit sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitter, etc. Vous devez tous connaître un petit peu ça. Et on peut voir qu'il a lié son compte League of Legends, et sur son compte League of Legends qui lui appartient, son pseudo c'est Nausia également. Maintenant, je vais vous donner un avis subjectif et un avis objectif. Il y a eu également l'annonce de Valve qui débanne entre guillemets tous les cheaters, ou en tout cas qui met des sanctions établies. Ce n'est absolument pas un communiqué officiel qui dit Monsieur Kyojin n'a jamais cheat, donc on l'autorise à faire ça. Moi, j'attends encore des communiqués officiels d'absolument tous les organisateurs de tournois, que ce soit ESL, DreamHack, Faceit, ESEA, etc., etc., qui dit non, on a vérifié, il cheat pas, et ceci et cela. Je suis un détracteur, je me fais passer pour un détracteur aujourd'hui, alors que c'est pas forcément la casquette que j'ai envie de prendre. Faut savoir qu'en faisant ça, les messieurs de chez Vitality ne me recruteront jamais, je ne ferai partie très certainement jamais de cette famille, parce que bon, je suis un peu en train de descendre leurs joueurs, mais il faut savoir qu'en fait tout le monde a le droit à des éléments de réponse, tout le monde a le droit d'avoir le doute. Je suis pas là à essayer de le démonter ou quoi que ce soit, mais juste à expliquer qu'en tant qu'être humain, toute cette affaire sent mauvais, et on est curieux en fait. Et cette curiosité, moi maintenant je vais vous donner des éléments comme là je viens de vous donner, et vous allez vous faire votre avis. Et moi j'ai toujours ce doute en fait, j'ai pas la certitude que le mec n'a pas cheat, et j'ai pas la certitude non plus qu'il a cheat. Faut savoir qu'il y a des témoignages aussi de joueurs du subtop en France qui déclarent avoir eu des discussions avec lui en tête à tête, et où il a dit ouais c'est bon, c'est vrai, j'ai cheaté avant, mais maintenant voilà, tranquille, on est clean. Il faut savoir aussi que pour percer aujourd'hui, il suffit justement de cheater, de se faire remarquer un petit peu et d'être pris sous l'aile de personne, et derrière t'as plus besoin de cheater en fait. Cheater, c'est un moyen pour percer. C'est pas aujourd'hui Shox, Kenny, machin, ils cheatent pas. On le sait qu'ils cheatent pas. Kyojin, je mets mes deux couilles à couper qu'il ne cheat pas à l'heure actuelle. Il ne cheat pas, c'est son vrai niveau. Mais le truc en fait, c'est qu'il aurait pu cheater pour se faire justement remarqué il y a quelques années, et intégrer justement des équipes, intégrer le subtop et avoir le partage des connaissances qui vont lui permettre aujourd'hui d'atteindre ce niveau-là. Il suffit de se faire remarquer un petit tournoi et une petite qualification, d'être après recruté dans une équipe un peu en dessous du subtop, puis après passer dans une équipe du subtop et d'être encadré par des gens d'expérience et qui vont nous transmettre des principes de jeu, qui vont nous transmettre des codes, qui vont nous transmettre des bases très solides qui vont lui permettre d'être un joueur entre guillemets complet, alors que son skill individuel, lui, il l'entraîne individuellement, il est très bon en termes de skill, ça c'est une évidence. Mais peut-être que pour en arriver là, il a pu tricher. Moi, ça me choque vraiment, moi, les screens, etc., qu'on voit avec son nom, son prénom et tout. Je pense que le communiqué de son papa, le dossier qu'a fait son papa, c'est vraiment pour protéger son fils, parce qu'il sait qu'il y a une carrière. On voit que dans cette famille, c'est tous des joueurs de Counter-Strike, c'est tous des passionnés de l'e-sport sur Counter-Strike, c'est tous des gens qui connaissent un petit peu la scène de Counter-Strike. Donc très certainement que eux tous rêvent un petit peu de cet e-sport, de la compétition, de gagner de l'argent comme ça et tout, et qu'à travers leur fils, bah, ils peuvent rêver eux aussi et accéder à ce rêve. Donc moi en tout cas c'est mon avis subjectif là dessus, et que là le papa pour moi il est clairement en train de protéger son fils, et on n'a aucune preuve, il n'y aura jamais toujours aucune preuve, parce que le discours c'est ça, le discours c'est non mais moi nous tous on cheat, voilà, bon, moi je cheat, le tonton de Kyojin il cheat, les deux frères de Kyojin il cheat, mais Kyojin lui il cheat pas. Mais bizarrement, il y a des noms qui... Il y a des pseudos qui lui appartiennent, qui lui auraient appartenu. Non, mais en fait, c'était son petit frère qui jouait sur le compte, parce que c'est le pseudo familial utilisé. Mais alors pourquoi il y a des comptes créés sur des sites internet pour rechercher des équipes avec le nom et le prénom de Kyojin, et pas le nom et le prénom du papa, pas le nom et le prénom de l'autre frère, pas le nom et le prénom de l'oncle. Moi tout ce que je donne là c'est des informations qui sont dévoilées par eux-mêmes, hein. Pas de divulgation d'informations privées ou quoi que ce soit. Son papa s'appelle Frank, l'autre s'appelle David, l'autre s'appelle Jason, l'autre s'appelle Melvin. Je vois Jason moi à chaque fois je vois Jason, donc j'ai le doute, voilà, j'ai le doute, j'ai pas la certitude mais j'ai le doute. Et comment dire, moi j'aime Counter-Strike, donc je le répète, ce mec là ne cheat pas, voilà, je peux vous assurer qu'il ne cheat pas maintenant. Mais il a pu cheater pour se faire détecter et ensuite être encadré par des gens
pour le faire progresser. Parce que quand on est encadré par des bonnes personnes, et ça c'est dans tous les domaines, dans le monde entier en fait, hein, peu importe le sujet d'où on peut employer, que ce soit le foot, la cuisine, la mécanique, la carrosserie, peu importe l'esthétique, peu importe, il suffit juste d'avoir un mentor qui va vous transmettre ces choses-là et vous allez progresser à une vitesse fulgurante. Surtout quand on est passionné par le sujet, ben on a soif d'apprendre, on est une éponge et on assimile tout et derrière, ben on progresse extrêmement vite. Il suffit juste d'intégrer, entre guillemets, le cercle. Et je pense que cheater aujourd'hui, c'est vraiment un moyen pour percer. C'est vraiment un moyen pour percer. Et le but, c'est vraiment pas de faire prendre ou quoi que ce soit. Et puis, si vous cheatez là, sur la chaîne, moi, je vous incite tous à le faire. Et comme ça, vous allez rentrer dans les trucs. Et dites juste à votre daron, votre daronne, de préparer un petit peu des petits frères, des petites sœurs, des grands frères, des oncles, des cousines et tout. Peut-être une colocation. Faites tous une petite colocation. Et comme ça, vous dites, non, mais c'était le coloc qui cheatait, c'était pas moi. Par contre, mon nom, mon prénom, c'est parce que c'est le pseudo de lui et tout. Ouais, on aime bien. On aime bien. Je sais pas, ça pue, enfin voilà, j'ai des doutes quoi, j'ai des doutes. Comme tout le monde, j'ai des doutes. Donc cette vidéo, elle fait du mal, tant pis, voilà, tant pis, je prendrai encore du bashing, je serai encore un énorme fils de pute si vous voulez. Franchement, j'en ai rien à faire, c'est juste pour vous expliquer que tous ces dossiers-là, c'est moche. Moi, j'ai rien fait de ces dossiers-là, on m'a tout transmis encore une fois pour que ce soit moi qui soit en première ligne et qui prenne tout ça dans la gueule. Après, je pourrais faire le choix de pas le faire, hein. Mais j'ai ce truc là aussi quoi, quand je les vois et tout, je me dis putain, faut que j'en parle, parce que derrière ça traîne un peu dans ma tête. Donc vous avez tout, faites-vous votre avis. Ce mec là pour moi ne cheat plus maintenant, ça va devenir un très bon joueur, encadré par de grands joueurs professionnels, par un staff professionnel, donc ce mec là va être exceptionnel. Bien évidemment Vitality prend le risque aussi de faire ça. Alors qu'est-ce que je pense de Vitality aussi qui fait ça? Vitality, ils vont prendre tout au premier degré. Hein, le papa Néo ou je sais pas qui appelle le papa de Kyojin. Non mais promis moi mon fils c'est un bon garçon, ceci cela. Néo il le croit, tu vois ce que je veux dire. Et puis Vitality passe pour des bons gars. Il recrute encore une fois un petit joueur mineur, enfin je crois qu'il est mineur. Mais c'est le futur quoi, c'est l'image un petit peu d'un jeune. Vitality qui donne l'espoir de l'e-sport à quelqu'un qui est jeune, qu'on va former, etc. Qui va être l'image de Vitality, blablabli, blablabla. Donc même en termes d'image, marketing, etc. Vitality prend aucun risque. Et s'il cheat, le discours ça va être quoi? Mais nous on a cru en lui, on avait des contacts avec ses parents, on a eu contact avec lui, on est allé les voir chez eux et tout. Ils nous ont montré et tout. Ce dossier c'est une infamie, c'est des gens qui essayent, qui sont jaloux, qui essayent de machin. Je l'ai vu moi le scénario de A à Z, je l'ai vu, je le vois même dans 3 ans, dans 4 ans si ça explose, qu'il y a des révélations machin. Le discours je vous le fais, c'est comme ça que ça va se passer. Donc faites votre avis, ça pue cette histoire, j'ai le droit d'avoir le doute, les gens ont le droit d'avoir le doute, et ça sent pas bon, voilà, ça sent pas bon, parce que mettre les noms, les prénoms, les pseudos et tout, c'est bizarre. En tout cas, big up au daron qui prend tout sur lui, même si je pense qu'en fait, il a envie de traverser cette épreuve un petit peu avec son fils, il a envie de rêver. Je pense que c'est un fan d'e-sport, je pense que c'est un fan de CSGO, je pense que c'est des mecs, ils ont envie de vivre le rêve à travers leur enfant, et que peut-être il y a un peu trop d'excès de zèle, que ce soit l'oncle, les deux frères, le daron, genre tout le monde cheat, mais lui il cheat pas, ils prennent tout sur eux, ça pue un peu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous appréciez tant mieux, si vous appréciez pas, je m'en fiche, en tout cas big up à mes vrais fidèles, et encore une fois on se mouille pour les autres, ouais, les mecs.